Hello à tous et bienvenue dans cette 81e vidéo. Ça commence à faire pas mal de vidéos quand même sur la chaîne. On espère que le contenu vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Si c'est pas le cas, dites-le aussi en commentaire. Maintenant, on va s'attaquer à ratisser tous les murs pour avoir un truc parfait. Pour vous, ça commence maintenant.
reviens vous faire quelques explications. J'ai pas tout filmé ces derniers jours parce que c'était long, répétitif et pas très intéressant. Donc après les différents ratissages, j'ai fait quelques petites retouches d'enduit en bleu. Je sais pas, on en voit une un petit peu dans le coin. Je sais pas si vous arrivez à bien voir par exemple en bas ici, mais il y avait pas mal de retouches d'enduit à faire. Donc ça, c'était bien long. Le ponçage de la totalité, c'était bien long aussi. Donc moi je préfère le faire au final avec la petite Mirka, la Deros 150 mm. La girafe c'est bien, mais pour dégrossir je trouve en ponçage de finition on est mieux près du support avec la petite ponceuse qui tient bien dans la main, là elle est parfaite celle-là. Vous avez été assez nombreux sur Insta à poser la question sur le matériel que je recommande pour le ponçage. Donc vous avez la réponse ici, clairement la Mirka Deros, ça vaut à peu près 400 balles je crois sur ce matos. Et après un aspirateur qui va bien. Alors si on veut vraiment un bon aspirateur, ça coûte encore plus cher que la Mirka. Moi j'ai le Karcher WD6 si je dis pas de bêtises, et franchement il va très bien pour aller avec la Mirka. Quand je prends la girafe, il est un peu juste parce que vu que le plateau est plus grand, ça demande une plus grosse capacité d'aspiration et il est un peu juste. Il a le décolmatage mais manuel et pas automatique, mais bon voilà, après quand on rentre dans du vrai matériel professionnel d'aspirateur, faut compter 500, 600 voire 1000 euros pour un aspirateur, donc bon. Il fera l'affaire pour l'instant. Donc ensuite j'ai remis un bâchage juste au bord pour pas que ça envoie en fait de la poussière quand je projette avec le pistolet, parce que ça a quand même une forte pression et ça pourrait vraiment envoyer plein de poussière. C'est pareil, là j'ai laissé le masquage mais j'ai bien dépoussiéré au-dessus les coffres de volets, parce que ça peut projeter aussi avec la pression des saletés sur le plafond ou sur les murs. Donc vous l'avez compris, si je résume, on a mis une première couche d'impression après avoir enlevé la tapisserie pour bloquer le fond. Ensuite on a fait les enduits en une ou deux passes selon certains murs, et après on va dire un bon gros coup de ponçage, des retouches d'enduit, du ponçage, des petites retouches, un gros dépoussiérage. Bon, j'ai plus assez de doigts sur la main là. Un gros dépoussiérage, ça c'est long à faire parce que c'était quand même bien poussiéreux au niveau des murs. Et c'est important de le faire si on veut que la peinture aille bien. Donc voilà, en fait, faire de la peinture, on se rend compte que la préparation, c'est 90 à 95% du boulot. Et qu'au final, faire la peinture en soi, c'est quand même très rapide, surtout pistolet. Donc comme d'habitude, toujours la Flüger. Celle-là, c'est la Special Ground, donc c'est l'impression, la sous-couche, vous l'appelez comme vous voulez. Franchement, elle est top, moi j'en suis très content. Donc là, elle est diluée à 10%. Tout est prêt, le pistolet est amorcé, tout est réglé. Il n'y a plus qu'à peindre. Bon voilà, la sous-couche est enfin terminée. Donc là, j'ai débâché toutes les pièces qui ont été peintes. Donc dans ces pièces-là, la suite des opérations, ça va être ragréage, pose du sol, pose des portes aussi. Et après, aménagement intérieur. Mais avant ça, je vais m'occuper d'un autre sujet. Je vais m'occuper de vider ce tas-là, j'en ai marre de le voir. En plus, comme ça, je pourrais virer le lève-plaque et tout ça, ça dégage. Donc, il me restait un rayage de faux plafond à faire dans la salle de bain. J'ai pas pu vous filmer parce que c'est vraiment très petit. Et je sais plus si je vous avais montré, mais le WC a été posé par le plombier de façon temporaire, au moins pour avoir un WC sur le chantier. Et l'épaisseur du placo équivaut à la colle à carrelage plus le carrelage. Donc, ça devrait pouvoir se repositionner facilement. Il a aussi posé le receveur de douche, donc sur plan tout simplement. Et oui, il faudra que je fasse un petit coffrage là-bas. Donc nous, on va se diriger dans le WC patient pour refaire à peu près la même chose. Donc il faudra faire un faux plafond, sauf que avant ça, évidemment, il va falloir coffrer le bâti support. Donc en fait, on va vraiment coffrer le bâti support pour après faire le faux plafond, parce que sinon on galère un petit peu en termes de hauteur avec le chauffe-eau. Donc là, d'abord, isolant, placo. Attention à ne pas mettre une vis dans les tuyaux. Là, j'ai repéré la hauteur des tuyaux et j'ai mis des croix pour dire qu'il ne faut pas visser ici. Sinon, c'est la cata. Une fois que ce placo-là est posé, rayage de toute l'ossature ici. Ici, il va falloir que je fasse une porte de placard pour pouvoir accéder au chauffe-eau. Et puis, petit coffrage en bas, le placo là-dessus. Une fois que ça c'est fait, le faux plafond. Bref, encore un peu de boulot ici. Mais bon, c'est des trucs plus sympas que l'enduit et la peinture. On va aller. Something in the air.
Bon, c'est l'heure pour moi de manger ce midi et c'est le bon moment pour vous parler d'un nouveau partenaire de la chaîne parce que vous le voyez pas à travers les vidéos, mais je sais pas, une alimentation très équilibrée ici, hein, c'est sandwich tous les midis, tout en même en plus. C'est pas quelque chose qui a à voir avec du matériel ou des matériaux pour la rénovation, mais c'est quelque chose qui concerne toutes les personnes qui rénovent. Donc c'est la société eFood qui fait des repas en boisson. Donc dans chaque bouteille, il y a l'équivalent d'un repas équilibré, donc tout est marqué à l'arrière avec les proportions. Après, rien ne nous empêche, si on est gros mangeur, d'en prendre plusieurs, hein, pour les gourmands. Bref, pour moi, c'est tout bénéfique, ça va beaucoup plus vite que manger un repas normal ou un sandwich, donc on gagne du temps, c'est beaucoup plus équilibré qu'un sandwich. Et les gens qui mangent pas le midi, je sais pas comment ils font, moi c'est impossible. Bref, en tout cas, merci beaucoup à eFood d'être un nouveau partenaire de cette chaîne. Donc ça, c'est la gamme classique, je crois, ils ont aussi d'autres gammes, ils ont une gamme vegan, ils ont aussi des barres de céréales. Et ce qui est top, c'est qu'on a réussi à avoir pour vous un code promo pour pouvoir commander sur leur site, on vous affiche le code promo juste en dessous. Bon, du coup, j'ai passé plus de temps à vous expliquer ça qu'à le boire, donc... C'est reparti pour moi!